Dieu de gloire, honneur à toi ce soir. Pour l'amour que tu as pour nous. Merci. À présent, nous demandons la puissance et l'autorité de Dieu de régner dans notre vie. Afin que notre adoration ne soit pas vaine. Toi qui commences, qui continue et qui achève, achève avec nous pour que te donnons l'honneur et la gloire. Afin que quiconque écoutera ce témoignage, qu'il soit touché. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. La vie, l'entend le Christ au nom. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, frères et sœurs, vous qui me suivez en ce moment, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu m'a fait une grâce. On m'appelle Sœur Anne. Je suis l'une des filles du Père des Nations. Il y a de cela 3 semaines. Et j'ai reçu une révélation dans laquelle nous étions partis à la montagne. Et subitement, je voulais regarder par derrière et j'ai vu un gros serpent surgir. Et nous étions séparés en 3 groupes. Il y a un groupe derrière, moi je suis au milieu et papa était devant nous. Et quand le serpent est sorti, il s'est enroulé sur lui-même. Et l'autre partie s'est redressée comme une personne qui s'est tenue debout. Et il avait un plat sur sa tête. Et il remuait, il se remuait. Et papa l'a vu. Et il a dit, ça ce n'est pas un simple serpent, mais c'est le grand Léviathan, le serpent fuyard, c'est Satan en personne. Et subitement, le serpent est disparu. Après sa disparition, les soldats sont venus. Et ils ont mis des fusils dans l'oreille de papa. Et moi, j'avais peur, je me disais, papa, ils vont te fusiller, ils vont te fusiller. Et il m'a dit, non, ne crains pas, ils ne feront rien. Et subitement, eux aussi, ils sont disparus. Après leur disparition, j'ai remarqué que le corps de papa a été couvert d'incisions. Et en ce moment, les frères et sœurs qui étaient avec nous aussi étaient frappés de peur. Et
Et ce que j'ai remarqué par la suite qui m'a un peu surpris ou étonné, c'est qu'à la fin de tout cela, lorsque nous allons quitter la montagne, son corps est redevenu joli, lisse. Ma outro voya me va baser à toi le flou de déclé. Ni me segomme le que ma temple ou la segomme. Et Dieu l'a retransformé, son corps est devenu plus joli, plus lisse, plus raffiné, et je ne saurais comment le dire pour que les gens puissent comprendre. Les défiants, mais lui que bon monsieur a énibé, les dents va pas dire, minabé d'aïa, et ni, et nous veuvez vous là, allons-y, et nous blélaï. Dans la révélation, ce que j'ai compris, c'est que nous savons que le serpent, c'est le destructeur. Mais avant de continuer, nous allons lire quelque chose dans la parole de Dieu. Disons dans Jean chapitre 16, verset 33. Jean 16, verset 33, j'ai eu la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. Nous voyons que dans ce passage, le Seigneur Jésus nous a avertis. Nous savons que tout peut arriver dans le monde. Et puisque nous l'avons suivi, alors nous sommes devenus l'ennemi du monde. Mais il y a la paix en Christ pour nous. Et nous aurons bien sûr des tribulations dans le monde. Et puisque le Seigneur Jésus nous avait avertis, alors, quand moi j'avais eu peur, je disais à papa, on va te fusiller. Lui, il a été averti, donc il n'a pas eu peur, il a dit, ils ne feront rien. Donc nous voyons que nous remarquons que son corps a été couvert d'incisions. Cela signifie, bien cela représente les mensonges, les outrages, les persécutions que les gens sont en train de former contre lui. Les faux mensonges, les mensonges, voilà. Alors, puisque le ciel est garanti pour lui, donc c'est à cause de nous qu'il devait ramener au ciel, c'est à cause de nous que le serpent se lève maintenant. Donc, s'il se levait comme ça, nous serons découragés et nous allons rétrograder pour ne pas pouvoir rentrer dans le royaume des cieux. Et c'est ce qui fait que tu vas écouter un peu sur les médias partout des diffamations à son encontre, mais c'est à cause de nous. Mais lui, il a la paix du Christ en lui, c'est pourquoi il n'a pas pris cela en mal. Donc il nous revient maintenant à nous de persévérer. Non, Dieu, non, 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 mais le coucou de Bena,
Bien-aimé, nous vous supplions de rester éveillé en ce moment afin que vous ne perdiez votre âme. La promesse que Dieu a faite par lui est vraie. Et toutes les paroles sont dans la Bible. Et Dieu est en train de nous avertir afin que nous soyons prudents et que nous soyons éveillés. Alors, partout où tu te trouves, toi, mon frère et ma soeur qui me suis, ne sois pas découragé, n'écoute pas les ondits. La promesse du ciel qu'on nous a faite est sérieuse et certaine. Il faut lutter pour y avoir part. Les frères et sœurs qui ont écouté certaines paroles et qui sont découragés, je les encourage à se fortifier davantage et à mettre la bride à leur bouche pour ne pas parler au point de pécher contre le Saint-Esprit. Mais il faut maintenant qu'elle lutte pour avoir part au ciel. Le Seigneur Jésus nous a déjà avertis, donc il nous faut être éveillés. On a mis dans les yeux avec les tableaux, vous voyez, mais bien, à mes canaux, les gens se réveillent, après toi, Jésus va. Qu'elle est le même nom, le même diralo, d'aller ne pas faire comme le même temps, le même va. Le même diralo d'aller au roi, il va pas mal de dynamio. Mais Dieu, vous que quoi, ni bas, ou quoi, ni du droit, et si on porte la foi d'affaire dynamique, porte le. Donc, on nous a dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, que celui qui écoute cette prophétie dise, viens. Donc, le Seigneur ne veut pas que son sang qu'il a versé pour nous soit vain dans notre vie. C'est pourquoi il est en train de nous avertir afin que nous nous préparions. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous fortifie. Afin que nous soyons éveillés. Et que nous tenions fermes. Afin qu'un jour nous puissions nous retrouver tous dans le royaume des cieux. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, oh merci Jésus, oh merci Jésus, merci Jésus.